Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Chez DF Trading, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une opportunité. Une opportunité que quiconque peut saisir. C'est une opportunité du 21e siècle. Donc, sans plus tarder, je vous le présente. Il s'agit en fait de quoi? Il s'agit d'un investissement que quiconque peut faire, même étant étudiant. Parce que souvent, les étudiants ont l'habitude de dire qu'ils n'ont pas des moyens pour faire ci, ils n'ont pas des moyens pour faire ça. Voilà. Maintenant, cette vidéo va maintenant essayer de leur changer cette manière de penser. Parce que on a tous été étudiants. Et si nous avons réussi aujourd'hui, si nous faisons tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que dans le temps, on a pris conscience, on a compris en réalité que voilà ce qu'il nous faut en réalité. Parce qu'au 21e siècle, il faut comprendre que la science est en train d'évoluer. On a connu au 21e siècle une évolution de la science. Et cette évolution a apporté plusieurs avantages. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi les inconvénients. Mais ici, aujourd'hui, c'est les avantages qui nous intéressent, nous. Nous sommes à l'ère de l'électronique. Nous sommes à l'ère de l'électronique et il faut comprendre que nous avons un concept depuis 2009 qui bat son plein, qu'on appelle les crypto-monnaies. Je sais que plusieurs parmi vous ne connaissent pas encore ce que c'est que les crypto-monnaies, mais aujourd'hui je vais vous les présenter et vous présenter aussi leur puissance. Comment est-ce qu'on peut se faire des économies, comment est-ce qu'on peut faire des revenus, comment est-ce qu'on peut réaliser ses rêves simplement en investissant dans les crypto-monnaies, simplement en investissant dans les crypto-monnaies. Et quand je dis réaliser un rêve, on ne réalise pas un rêve en une journée, on ne réalise pas un rêve en un mois, en 2 mois, non. Un rêve, normalement, un rêve se concrétise après des années. Et les jeunes aujourd'hui n'aiment pas entendre année. Ils aiment en fait mettre de l'argent dans quelque chose qui, déjà demain ou après-demain, peuvent en même temps leur donner des revenus. Ça, c'est une mauvaise manière de penser. Ça, c'est une mauvaise manière de penser. L'investissement, c'est que quand on le fait, on se donne un objectif. Après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je connais des gens qui ont investi. Et c'est après 10 ans, 20 ans qu'ils ont pu réaliser avec ce qu'ils ont investi. Mais les jeunes aujourd'hui se disent en réalité que on doit investir déjà en un mois, on doit déjà gagner par rapport à l'investissement. C'est une mauvaise manière de penser. C'est une mauvaise manière de penser. Voilà. L'investissement, quand on dit on veut investir, vous investissez pour une longue durée. Pour une longue durée. C'est comme ça. Même les plus riches au monde aujourd'hui, c'est des gens qui ont pris le temps de construire leur vie. Et ils l'ont fait pendant 20 ans minimum, 20 ans, 30 ans. D'autres sont devenus riches qu'après 50 ans. Mais aujourd'hui, les jeunes se disent qu'ils seront riches en 1 mois, en 2 mois. C'est impossible. C'est impossible. Et ce que la question que je m'en vais vous poser en réalité, c'est quoi? Faites un feedback, faites un retour sur 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière et regardez votre situation. Et revenez maintenant dans le présent et regardez encore votre situation. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez changé financièrement? Si vous n'avez pas changé financièrement, ça veut dire en réalité qu'il y a un problème à votre niveau. Ça veut dire en réalité qu'il y a un problème. Parce que si déjà on fait déjà 2 ans, 3 ans et que notre situation financière n'a pas changé, ça veut dire qu'il nous faut encore un travail à notre niveau. Donc c'est ce travail en réalité que nous voulons vous présenter maintenant dans cette vidéo. Vous allez investir. Et vous allez revoir, vous allez voir maintenant, vous allez vous projeter dans 2 ans ou dans 3 ans dans le futur et vous allez voir si vous n'allez pas pouvoir réaliser vos rêves.
Et je vous le dis, la main sur le cœur, que vous allez le faire. Il suffit juste que vous suivez en réalité nos conseils. Tout ce que nous allons vous présenter dans cette vidéo, suivez-les attentivement et laissez-moi vous dire que d'ici 3 ans minimum, vous allez réaliser vos rêves, vous allez concrétiser vos rêves. Que vous soyez étudiant, que vous soyez élève, que vous soyez fonctionnaire ou un ouvrier, juste si vous suivez ce que je vais vous présenter maintenant dans cette vidéo, vous allez changer le cours de votre vie en moins de 3 ans. Laissez-moi vous dire, respectez ces 3 ans-là et vous allez voir, vous allez revenir. Vous allez revenir pour nous dire en réalité que vous avez raison. Ce que le conseil que vous nous avez donné en 2019, réellement, ça nous a permis de réaliser ci, ça nous a permis de réaliser ça. Alors, sans plus tarder, allons-y. Voilà, nous sommes actuellement sur coinmarketcap.com. C'est un site qui n'est pas béninois, d'accord? C'est un site qui nous présente en réalité ce que j'avais appelé crypto-monnaie. C'est un site qui nous présente alors tous les actifs, tout ce que nous appelons crypto-monnaie. Crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptée, d'accord? Crypto-monnaie, ça veut dire simplement des monnaies qui sont cryptées, des monnaies qui ne sont pas visibles, des monnaies invisibles en réalité. Voilà, avec lesquels on peut faire des échanges un peu partout dans le monde. Et actuellement, je crois que c'est la révolution actuelle de la monnaie. Si nous prenons l'exemple de Perfect Money, si nous prenons l'exemple de Mobile Money, si nous prenons l'exemple de Western Union, tout ça, en réalité, ça nous permet de faire des transactions, mais de façon électronique. Vous amenez de l'argent et cet argent est transformé de façon électronique et pour pouvoir accéder à des services donnés. Voilà en réalité ce que nous appelons la crypto-monnaie. Mais la crypto-monnaie a encore une particularité, c'est que ça dépend. Là, c'est une monnaie qui a une valeur de base. Mais cette valeur dépend, cette valeur évolue sur le temps. Ça évolue sur le principe de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, lorsqu'il y a assez de demandes, c'est lorsqu'il y a assez de demandes par rapport à l'offre, la valeur de l'actif évolue. Ça, c'est un principe de l'économie. Vous pouvez comprendre ça. Ça, c'est le principe de l'économie. Donc, les crypto-monnaies, à la base, ils ont une valeur. Et avec le temps, cette valeur-là évolue. Donc, nous, on profite en fait de cette différence de variation, en fait, de cette variation de prix par rapport à ces crypto-monnaies pour faire des profits. D'accord? OK. Donc, nous sommes ici sur CoinMarketCap. Je vais vous présenter rapidement les différentes crypto-monnaies, au moins quelques-unes. Voilà, j'ai actualisé la page. Les voici ici. Ici, nous avons, vous voyez, ici, nous avons le Bitcoin, d'accord? Nous avons le Ethereum, nous avons le Ripple, XRP, nous avons le Litecoin, nous avons le Bitcoin Cash, d'accord? Voilà, plein. Il y en a plein. Voilà, nous avons EOS, il y a Binance Coin, il y a Stellar, il y a Cardano, Tether, Tron, Bitcoin SV, Dash, Monero, IOTA, ainsi de suite. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons 2150 crypto-monnaies. Donc, nous avons 2150 actifs dans lesquels nous pouvons aujourd'hui investir et espérer faire de profit. Donc, dans lesquels nous pouvons investir aujourd'hui. Je vais vous apprendre, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut investir sur les crypto-monnaies et faire des profits. Voilà, si je prends par exemple, je vais donner un exemple. Un exemple, par exemple, cette crypto-monnaie, je veux vous présenter aujourd'hui 2 projets de crypto-monnaie. Je vais vous présenter premièrement, je vais vous présenter Lunes. D'accord? Je suis venu déjà rechercher. La première barre de recherche, vous tapez Lunes. La connexion. Voilà, Lunes. Et ça vient et vous sélectionnez Lunes. Lunes, c'est une crypto-monnaie. C'est la première crypto-monnaie de l'Amérique latine. Voilà, nous sommes sur la page maintenant de Lunes. Je vais vous rapidement vous expliquer quelque chose. Voilà sa valeur en dollars, d'accord? Voilà l'actif, le nom de l'actif. C'est sa valeur en dollars, d'accord? Aujourd'hui, Lunes vaut 0,0
0,10, 0,53 $. Voilà. Donc, c'est sa valeur aujourd'hui. Cette valeur-là ne sera pas la même lorsque nous allons revenir dans 1 heure ou lorsque nous allons revenir dans 2 heures de temps. Cette valeur-là ne sera plus les mêmes. D'accord? Donc, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'offre, il y a des offres qui sont déjà en cours. Il y a des demandes aussi qui sont déjà en cours. Donc, cette différence-là, en réalité, entre l'offre et la demande, fait que l'actif évolue. Et il faut comprendre aussi, dans le sens contraire, que l'actif aussi peut perdre de valeur. Ça peut perdre de valeur comme si ça peut monter aussi. Voilà. Donc, voilà sa valeur. Il y a de cela. Hier, je vais vous montrer sa valeur hier. Hier, vous allez voir que ça avait chuté. Hier, regardez, voilà. Vous allez constater qu'il y a les dates. Ici, on a 4, 3, 2, 1, ainsi de suite. Et voilà les valeurs. Voilà les valeurs ici. Vous voyez qu'aujourd'hui, 4 lunettes n'étaient pas. Le 4 avril. 4 avril, c'est-à-dire hier, lunettes était à 2,0. Vous voyez, 0,20, 74, 61. Voilà la valeur de lunettes hier. Regardez sa valeur hier. Et regardez maintenant la valeur de l'UNES aujourd'hui. Vous voyez, ça a monté. L'UNES a évolué d'hier à aujourd'hui déjà. Regardez déjà si quelqu'un qui investissait, qui achetait, qui investissait dans l'UNES hier, regardez ce qu'il aurait fait aujourd'hui. Nous allons nous amuser pour faire le calcul. Donc, nous avons 2,74,61. 74,61 $. D'accord? Nous allons calculer. 74,61 $. 74,61 $. D'accord? Nous allons faire rapidement le calcul. C'était en dollars. Nous allons ramener ça en francs CFA. Pour ramener ça en francs CFA, d'accord? On va multiplier ça par 600. 0,01461. On va multiplier ça par 600. Par 600, ça fait 4,47 francs CFA. D'accord? Donc, un lunette hier valait 4,47 francs CFA. 47,66. Nous allons arrondir ça à 5, supposons. Nous allons arrondir ça à 5 francs. Donc, hier, lunette était à 5 francs. Donc, imaginons quelqu'un qui investissait simplement 10 000 hier. Donc, 10 000 divisé par 5. Donc, il aura 2 000 lunettes. Il a investi 10 000 hier. Donc, ça veut dire que son investissement de 10 000 peut lui permettre d'avoir 2 000 pièces de lunettes. Suivez avec moi. 2 000 pièces de lunettes. Donc, nous allons voir maintenant sa valeur aujourd'hui. Sa valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, lunettes vaut 0,1007. 0,1007. On va faire le même calcul. 0,1007. 0,1007. D'accord? Nous allons multiplier ça aussi par 600. Donc, ça fait. Aujourd'hui, ça vaut 6 francs. Hier, c'était. Combien? Hier, c'était 5 francs et on avait investi 10 000. Donc, aujourd'hui, c'est à 6 francs. Nous allons faire maintenant les 6 francs. Fois les 2 000, parce que c'est 2 000 qu'on avait acheté hier. Donc, fois 2 000, ça nous fait en même temps 12 084. Donc, ça veut dire en réalité, si on fait les 12 084 moins 10 000 investis, donc ça fait de hier à aujourd'hui, on a eu 2 084 francs de bénéfices. Regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On a juste investi. Et on est parti tranquillement se reposer. Et aujourd'hui déjà, on a pu faire déjà 2 000 d'économies. On a fait 2 000 francs d'économies. Voilà en réalité ce que la science nous a apporté. Donc nous sommes à l'ère du 21e siècle où tout est facile. Je dis bien, tout est facile pour nous. Nous avons l'accès à tout. Voilà, simplement dans votre maison.
Vous avez fait ce profit-là sans même bouger, sans rien dépenser, sans dépenser d'énergie ni rien, juste un peu de votre temps. Je suppose même juste 5 minutes de votre temps pour acheter et aller vous reposer. Voilà la puissance des crypto-monnaies. Nous avons fait maintenant la différence seulement en une seule journée. Et si nous allons faire la différence en un an, en deux ans, je vais rapidement vous montrer quelque chose. Par rapport à l'UNES toujours, regardez sa valeur, le 14. Regardez la valeur de l'UNES, le 14. Le 14, l'UNES, regardez sa valeur. C'était 00-10-96. Je parle du 14 mars. N'oubliez pas, 14 mars. 14 mars, l'UNES était à 10-96. On va voir. On va calculer. 0,00-10-96 x 600. Vous voyez, x 600. L'UNES n'atteignait même pas un franc. La valeur de l'UNES était 0,65-76 francs. Franc CFA. Supposons que c'était en le 14 mars qu'on avait investi les 10 000. Donc, ça va faire 10 000 divisé par 0,65-76. Ça veut dire qu'on pouvait acheter 15 206 l'UNES, pièces de l'UNES. Ah, aujourd'hui, l'UNES vaut 6 francs. L'UNES vaut 6 francs aujourd'hui. Si en, le 14 mars, on avait investi simplement 10 000 en l'UNES, vous allez voir combien de profit on va faire. Donc, nous allons prendre maintenant les 15 000, d'accord, 206 fois la valeur de l'UNES aujourd'hui, fois 6 francs. J'espère que vous n'avez pas oublié. Ça fait 91 236 francs. 91 236 francs. On a investi 10 000 francs. Ça veut dire qu'on a fait 81 236 francs de bénéfices, les amis. Quel business peut vous donner autant de profits comme ça? De 14 mars à aujourd'hui. Simplement, de 14 mars à aujourd'hui, on n'a même pas fait un mois. Mais on a fait plus de 800% de notre capital. 800%, je dis bien 800% de notre capital. En moins d'un mois. Et lorsque nous allons faire un an, deux ans, trois ans, les amis, c'est une opportunité à saisir. Et ce projet que je suis en train de vous présenter, c'est un projet qui peut vous rendre riche. Vous serez millionnaire. Je dis bien, vous serez millionnaire en trois ans. Suivez simplement ce que je veux vous présenter. Je veux vous dire maintenant. Vous serez millionnaire. Vous pouvez être étudiant. Investissez aujourd'hui simplement 10 000. On peut perdre facilement 10 000 aujourd'hui. Et je sais, parmi vous, il y aura des gens qui vont me dire qu'ils n'ont pas encore 10 000. Qu'ils ne peuvent pas avoir 10 000. Je vous dis, ce n'est pas un problème. Je vais vous présenter un autre projet. Vous pouvez investir 1000 francs. Investissez 1000 francs aujourd'hui. Je sais que vous pouvez trouver 1000 francs. Investissez juste les 1000 francs. Mais il faut comprendre que vous pouvez avoir la possibilité d'investir 10 000. Mais si vous investissez 1000 francs, ça veut dire que vous diminuez encore le profit que vous pouvez faire en 3 ans. Donc, vous battez-vous et trouvez les 10 000 et investissez dans ces deux projets que je vais vous présenter. Voilà le premier projet dans l'UNES. Vous allez investir dans l'UNES. Et pour le faire, nous allons laisser en description de cette vidéo nos contacts. Contactez-nous pour que nous puissions vous montrer, parce que nous ne pouvons pas tout dire dans la vidéo, pour que nous puissions vous orienter, nous puissions vous dire comment investir dans les crypto-monnaies et comment aussi retirer les fonds des crypto-monnaies. C'est très facile. N'ayez crainte. C'est très facile. Donc, voilà le premier projet que je vous ai présenté aujourd'hui, l'UNES. Le second projet, c'est Electronum, ETN. Vous allez voir que sa valeur aussi, c'est rien du tout. Regardez la valeur de truc là.
Excusez-moi, il faut que je vous montre rapidement ça. Lorsque vous cliquez sur n'importe quel actif, vous voyez ce que ça met ici là. Ça veut dire en réalité que de 0 à l'heure à aujourd'hui, cet actif-là a déjà fait 6%. Donc ça veut dire que c'est des actifs sur lesquels vous pouvez faire même des pourcentages par jour. Vous pouvez faire même 6%, voire même 10%, voire à 15% de votre capital aujourd'hui et en une journée. C'est extraordinaire. Je le dis bien, c'est extraordinaire. Donc voilà la valeur de l'unité de Electronome aujourd'hui. Nous allons calculer ça en francs CFA. Ça fait 62,07. Ça fait 0,00 62,07. C'est ça, fois 600. Vous voyez, ça vaut seulement 3 francs. Supposons 4 francs. 4 francs. Oh, l'UNES vaut 6 francs. Donc, avec 1000 francs divisé par 4 francs, vous aurez 250 pièces. Je vous dis bien, vous aurez 250 pièces. 250 l'UNES. Avec 1000 francs. En 3 ans, l'UNES peut atteindre 10 dollars. Je dis bien, l'UNES peut atteindre 10 dollars en 3 ans. Ça peut valoir 10 dollars. Donc, quelqu'un qui investit juste 1000 francs aujourd'hui, lorsque l'UNES va atteindre 10 dollars, 10 dollars, ça fait 10 fois 600, ce qui nous donne 6000. Ça veut dire ça va faire les 250 fois 6000. Ça lui revient à 1 500 000. Ça lui revient à 1 500 000. Quelqu'un qui investit 1000 francs aujourd'hui, en 3 ans, il peut avoir 1 500 000. Ça vous suffit largement pour pouvoir créer un projet, pour pouvoir investir maintenant dans un projet physique et commencer maintenant par gagner votre vie. Voilà. Mais quelqu'un qui investit 10 000, ça fait, nous allons faire ça là maintenant, fois 10, parce que dans 10 000, on a 10 fois 1000 francs. Donc, ça fait, on va faire maintenant ça fois 10. Fois 10, ça fait 15 millions en 3 ans avec 10 000 francs. Les amis, c'est possible. C'est possible. Donc, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer que on peut réaliser sa vie. On peut créer un projet, tout un projet à 0 francs. Parce que 1000 francs, c'est rien du tout. Aujourd'hui, 1000 francs, c'est rien du tout. Vous pouvez trouver facilement 1000 francs. D'ailleurs, même en une séance de déjeuner, on dépense même plus que 1000 francs. Donc, ce que je suis en train de vous présenter, c'est une opportunité en or que je vous présente aujourd'hui. Saisissez-la et vous allez changer le cours de votre vie à jamais. Voilà les opportunités dans lesquelles nous nous avons investi en 2014. Et ce que nous gagnons par rapport à ça, c'est nous-mêmes qui le savons. Et pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de vous le présenter? Parce que quand moi j'entends que les jeunes disent on n'a pas de moyens, on n'a pas si, ça me fait mal. Or, nous avons la facilité, aujourd'hui de se faire de l'argent, dignement, de se faire de l'argent légalement. Et pour finir, je vais vous donner cette phrase-là. Je vais vous donner, en fait, c'est pour vous expliquer quoi. Qu'est-ce qui est indispensable à la vie d'un homme aujourd'hui? Qu'est-ce qui est indispensable au corps? Je parle du corps humain, au corps humain. Dans les constitutions d'un corps humain, qu'est-ce qui est indispensable aujourd'hui au suivi de ce corps humain-là? Je crois bien que c'est la respiration. Parce que lorsqu'on dit qu'une personne est morte, c'est qu'il est dépourvu de sa respiration. Cette personne ne respire plus. Et laissez-moi vous poser encore une autre question. Quel effort nous menons pour pouvoir respirer? Quel effort nous menons pour pouvoir respirer, pour pouvoir rester en vie? Parce que la respiration, c'est la vie. Quel effort nous menons pour pouvoir respirer? Laissez-moi vous dire, nous ne menons aucun effort parce que nous avons de l'air, l'oxygène un peu partout. Il suffit juste que nous inspirons et nous expirons. C'est fini. Donc, c'est pour vous dire que la respiration qui est si chère
pour le corps humain, nous l'obtenons facilement. Et pourquoi? Pour gagner notre vie, nous devons lutter. Nous devons lutter pour pouvoir gagner notre vie. Pourquoi on dit souvent que la vie est dure? Pourquoi nous disons souvent que la vie est compliquée? C'est des manières de penser. C'est des manières de penser. Et moi, je dis, c'est des manières de penser et fausses, non-sens. Je dis bien que la vie est facile, comme la respiration. Donc, on peut se faire aussi de l'argent facilement. Ayez cela en tête. À partir d'aujourd'hui, et vous allez voir que votre vie va changer. Donc, voilà pour finir cette vidéo, ce que nous tenons, ce que je tenais à partager avec vous. Donc, il faudrait que vous compreniez aujourd'hui que la vie, elle est facile comme la respiration. Nous pouvons gagner de l'argent facilement comme nous respirons. Et ce qui fait la différence entre un riche et un pauvre, c'est l'information. C'est parce que le riche était aussi pauvre, mais qu'il a eu une information qui peut l'amener à changer de vie. Et il a saisi cette opportunité-là, et ce qui a fait aujourd'hui de lui riche. Le pauvre aussi, peut-être aussi, avait eu l'information, mais qui n'a pas pu utiliser l'information en son profit. Donc, ce qui a fait qu'il est resté aussi pauvre. Donc, aujourd'hui, vous avez l'information de changer le cours de votre vie. Vous avez aujourd'hui l'information de changer le cours de votre vie. Donc, ça dépend de vous. GDF Trading, à tout à l'heure.